L'analyse de l'information, tendance. Bonne nuit à tout le monde, c'est avec même plaisir nous ensemble pour l'émission Tendance. Tendance, émission côté nous parler sur tout dossier qui est bien actualité. Aujourd'hui, on va continuer à parler politique avec Jean-Aubert Agan. Jean-Aubert Agan, c'est membre collectif 4 décembre. Collectif 4 décembre fait sortir un communiqué côté attirer l'attention de la population sur la nécessité pour bien choisir. Comme une organisation qui est dans la société civile, le collectif 4 décembre estime aujourd'hui, depuis bien avant l'élection, il faut que vous bailliez à la population un profil citoyen et citoyenne qui est capable de mieux représenter vous. Pour que ça vous fait choix ça, pour que ça vous décidez de courir, mettre un communiqué comme ça dehors, est-ce que vous avez un déjà dans la tête qui reflète le profil ça? Pour nous commenter toutes les questions, nous allons dialoguer avec M. Agan après pause. Oui. Monsieur Jonas. Monsieur Jonas, inspecteur d'IRI. Je n'en moi, ouais. Le RI, juste le RI. D'IRI numéro 1. Oh, merde. Pas là. Zéro. D'IRI numéro 2. D'IRI numéro 3. D'IRI 10 sous 10 plus. Qualité. 10 sous 10 pour goût. 10 sous 10 pour économie. Économie pour poche nous. D'IRI 10 sous 10. Bon 10 sous 10. Plus. Pour commande, relez dans 2813 1991. Côté gratin date ça. Merci en pile pour fidélité et attention pour émission ça a tendance place pour inviter nous pour nous commencer à faire débat. Invitez nous aujourd'hui, c'est monsieur Jean-Aubert Agan du collectif 4 décembre avec lui nous pour faire débat. Monsieur Agan, bonsoir, c'est avec un pile plaisir de recevoir dans l'émission tendance. Bonsoir Tamara, je vous remercie de ce que vous avez invité nous dans l'émission et c'est avec plaisir que vous partagez tout ça avec vous-même et puis téléspectateurs signal. Comment collectif 4 décembre hier a fonctionné aujourd'hui? Bon, et toujours, c'était son regroupement citoyen, c'est nous-mêmes, ça c'est une plateforme de parole du citoyen et nous continuons à passer toujours même campagne production nationale, même campagne de sensibilisation du citoyen en général, pour que nous suspendions à plonger des sangs ou bien qu'on était à la traîne du monde. Donc, et nous là, c'est donc sans ça que nous-mêmes, nous poussons toute action. Nous. Et d'ailleurs, c'est peut-être ça que, vous soulignez. Non, avant nous arriver là, puisque il y a des gens qui étaient dans le collectif, là, seulement question dominicaine. Suspendre à consommer produits dominicains, arrêt 168-13, mais on n'a pas vraiment fait des connaissances en profondeur avec nous. Oui, alors, bon, tout fait. Joint. Effectivement, collectif 4 décembre, comme vous dites, nous prenons naissance au moment que l'arrêt 68-13 a été paraître pour nous te défendre des droits de citoyens dominicains d'origine haïtienne. Et nous avons fait valoir notre point de vue, nous aller à tous les échelons, nous monter au niveau international, etc. Mais il est vrai que jusqu'à présent, ça n'a pas vraiment changé parce que, comme nous connaissons, comportement comment on appelle le dirigeant nous t'es refroidi tout élan pression internationale t'es fait soulier qui fait que jusqu'à présent ce 68-13 là avec la loi 69-14 là toujours continuer mais nous pas faire une bataille là puisque nous continuer puisque la réunion dernièrement Panama nous écrit à toutes 23 chefs d'État là avec 12 et premiers ministres pour nous dire c'est devoir c'est obligation pour mettre bouche on a fait ça, donc c'est tout à continuer. Maintenant,
L'affaire dominicaine n'est pas simplement, c'est pas l'affaire dominicaine qui fait le collectif. L'affaire dominicaine n'est qu'une des batailles que nous menons pour la défense des droits d'un citoyen. Et maintenant, le problème, pardon, de dire boycott des produits dominicains, c'est vrai, mais parallèlement, de dire ça qui cheval de bataille, nous, c'est production nationale-là, parce que c'est à partir de là que nous avons commencé pour une certaine indépendance, une indépendance d'abord alimentaire, de façon que nous pas. À la traîne de monde, ça, et donc c'est là nous-mêmes aller pour production nationale là. Maintenant, ça, c'est un combat, et on a continué pour faire promotion production nationale là, pour que nous commençions à prendre, comment on dit, grande dette. Et doit grande dette majeure. Non, mm-hmm. Mais maintenant, on a autre chose. On a autre chose et qui concerne notre pays, parce que nous, dans ce stade, ça, c'est parce que nous avons des problèmes de gestion, des problèmes profonds. Nous avons des problèmes structurels énormes. Nous avons des problèmes côté que les institutions sont totalement dysfonctionnelles et qui fait que le pays est en déliquescence. En déliquescence, et c'est peut-être ça que nous disons. Ça qui vient là, ce n'est pas simplement un hasard. C'est une conséquence de nos choix. Ce qui est arrivé et à notre analyse, c'est que le citoyen, sous garde de Kounia, enfin, même tout jeune, a regardé qui modèle qu'on a devant vous. Qui critère de choix qu'on a devant vous. Vers qui est-ce qu'on peut aller? Ou pas qu'à faire personne confiance. Parce que là, Kounia, nous pouvons aller en période électorale. Ou pas pour gagner des centaines de candidats. Ou difficile pour faire un choix. Mais bon, moment de ça, dans la connaissance, comment nous, dans collectif, nous travaillons avec membres, comment nous réunis, comment nous travaillons? Bon, en général, nous avons d'abord le conseil exécutif. Mm-hmm. Et c'est à partir du conseil, ça, nous 7 ou 9 membres. Nous réunis, nous discuter d'un sujet et à ce moment-là, suivant ça que nous besoin, nous fait appel à d'autres compétences qui ne sont pas membres du conseil mais qui sont des adhérents et au collectif. Mm-hmm. Puisque c'est un mouvement citoyen, ce n'est pas un parti politique, c'est un mouvement citoyen où tout citoyen se retrouve ou devrait se retrouver. Mm-hmm. Donc nous-mêmes, nous sommes soulevés au porte-parole du citoyen et nous là pour essayer que le citoyen comprenne que il y a droit et que faut nous revendiquer le droit à nous et faut un côté pour parler parce que il y a pas aucun recours en général. Donc nous est réunis, nous discuter et sous question ces domaines là nous bail positionnons sous question politique là je dis nous bail positionnons à travers notre presse ça. Qui feedback nous recevoir à partir de sur quel sujet? Sous notre presse ça. Côté nous dit population attention, faut que nous mieux choisir. Ouais. Faut que nous prenions nous pour nous choisir. Ouais. Est-ce que nous partageons le profil là, puisque les téléspectateurs ne connaissent pas vraiment qu'on est en entrée dans la question qui s'est communiquée de presse. Fort de ce constat, côté par une référence, par un modèle. Nous-mêmes dans le collectif là, est-ce que c'est inquiétude qui fait nous mettre notre ça dehors? Bon, et pas plus inquiétude, mais que le vouloir d'aider le citoyen à savoir faire un choix. Mm-hmm. Parce que si nous avons plein qu'on y a, si nous avons un problème côté qu'on y a, c'est parce que nous n'avons pas su choisir. Et ceci depuis des années, et c'est ça que nous avons toujours fait, qui fait que de plus en plus, c'est descendre. Donc, et pour ça, nous avons choisi suivant ça, nous avons dit nous, nous choisi suivant ces parties, nous avons pour le monde, nous n'avons pas choisi avec ordre, méthode et de façon objective. Donc, nous disons que, comme nous avons un modèle, puisque nous avons vraiment des modèles, nous disons, waouh! Monsieur ça, ou bien moun ça, mon modèle m'a suivi. Nous pas gagné vraiment. Monsieur tout le monde ça, terrible. Les gens vraiment honnêtes, les gens sérieux, les gens compétents, ils ont plus ou moins fait mes croyants. C'est qu'on y a que nous, que des deux, trois têtes qui commencent à apparaître. Donc, pour que les citoyens connaissent que la fait choix pour que ne pas continuer, pour payer, va continuer à descendre, je la descendre. Nous avons des critères. Nous disons qu'au moins nous avons aidé, nous avons un guide. Nous ne pouvons pas dire que c'est tout ça, c'est des conditions sine qua non pour que nous avons pour que nous avons choisi. Mais nous avons un minimum pour garder chaque monde. Et nous avons fait la séparation entre puisque nous avons trois niveaux d'élection, président, présidence, président, présidence ou parlementaire. Il y a collectivité territoriale. Donc, il y a un jeu de monde qui là, nous ne savons pas combien pour la présidence. Nous connaissons déjà combien qui est déjà présenté pour les parlementaires, et c'est faramineux. Sous qui profil un citoyen capable
parti pour choisir un président? Bon, d'abord, nous dit que, premièrement, ça qui est souhaitable, c'est que le monde qu'on a choisi, c'est le monde qui a émergé au moins d'un parti politique structuré. Parce que ce monde qu'on connaît qui a déjà démontré leadership que gagne. Faut que ce monde qui gagne une réputation connue, faut que ce monde que ou connaît que les réaliser certaines choses, faut qu'on côté le sorti pour pas prendre n'importe qui est baf devenir président alors que celui qui pas gérer c'est pas chef d'état. Donc faut que ce monde qui a certaine structure, une certaine triture. Donc il y a plusieurs critères que nous stipulés l'un message ça que nous voyons par Mounio. Pour sénateur par exemple, pour parlementaire. Pour parlementaire d'abord. Donc un parlementaire c'est un monde qui parle légiférer. Donc un minimum de connaissances pour gagner. Un minimum de présence pour gagner. Faut que ce monde qu'on connaît qui gagne pays lequel est tout bon, qui croit la souveraineté nationale nous, qui croit par exemple la production nationale nous, qui connaît déjà ça que nous avons comme problème et qui ça nous prend à résoudre comme problème. Ce n'est pas le vin, il vient comme ça. Et la meilleure des choses, c'est que ce monde, au fond, tu as une formation éventuellement en droit. Puisqu'il ne peut pas légiférer, il ne peut pas faire loi. Donc il faut qu'on qui problème, il faut qu'on qui ça que nous avons comme problème pour qu'on qui ça nous avons qu'à résoudre. Parce qu'il y a une bonne loi qui mal faite, qui mal paraît, qui est bonne heureux de bas, qui pour changer. Donc il faut que ce monde qui est bien assis, ce n'est pas un monde qui peut aller simplement. Surtout ce qu'il faut éviter, c'est d'éviter de trouver, de choisir quelqu'un au monde qui parle d'un jouisseur de pouvoir au lieu de serviteur au pouvoir. Par exemple, pour collectivité territoriale. Il faut qu'au moins le monde s'attaque à une connaissance de zone. Il faut que ce monde, quand c'est le monde qui connaît le travail, l'encombit, qui connaît et mettez tête monde ensemble, on leader. Il faut que ce soit leader dans la zone. Et il faut que ce monde que vous connaissez. Quelle la parole, c'est pas un style de bluffeur, faut que ce monde qui réalise, faut que ce monde qui travaille, faut que ce monde qui est passé, ou elle qui j'ai intégré au niveau même de zone côté l'IA, ça le fait pour zone et qui vision qu'elle était déjà gagné et qu'elle déjà pouvait là, qui marche là l'IA. Intéressant. Donc pour élection yo, c'est que ou parle de partis politiques qui structurés, faut que mon un leadership, faut que mon travail déjà. Or aujourd'hui parti politique, M. Hagan, excusez-moi, c'est pour la plupart, c'est des gens qui vont bannir au plus offrant. Comment la population va connaître que un tel n'est pas dans tel parti, un tel sont bannis au prêtel, un tel sont bannis achetés, comment la population va le connaître? Bon, il faut que d'abord, quand on dit c'est vrai, les partis politiques laissent à désirer. Il y a beaucoup de travail à faire à l'intérieur de ces partis. Mais maintenant, même qui sont dans les choisir. Oui, il y a des gens qui sont partis politiques qui sont étagés de plusieurs côtés, ou ça, comme c'est au, dire, au plus offrant. Malheureusement, c'est ça, ce n'est pas une affaire vraiment structurée et qui fasse partie ou passer simplement une vision gain des partis politiques, par contre, qui définit approche déjà. Okay? Donc, déjà, lui-même, sur certaines garanties qui vont être dans certaines structures. Mais, parti qu'on va joindre établi sous plusieurs étages, qu'on va choisir qui est là, suivant prix lié, etc. Bon, ça me pense que c'est pas mal qui ça, c'est vraiment ça que de guider nous. Nous allons proposer, nous allons regarder avec M. Hagan, est-ce que vous-même, vous avez un profil candidat déjà? Posez-en à tout. Gagne une maladie, y aurait les glaucomes. Maladie ça? Fais attention, j'ai à monter. Jou moun nan vin avec si li pa pren sa bonnet. Pren bonnet a, c'est Alkay Docteur Géo pou wè si ou pa gen glaucome. Pi bonnet, c'est Grand Matin. Nou pa ta jam imagine de quantité moun an Haïti ki ka gen glaucome sans yo pa senti anyen nanje. Et pi yon jou matin, yo avec. Glaucome c'est une maladie que ou ka hérité nan fami ou. Kon sa tou, li ka paret sou sans attendre, sans pa konnen ke nou genyen. Zami, fais-moi confiance. Al checker jodi a même kayon docteur G. Pa kite glaucome PTG ou. C'est un conseil que dispo fa voye pour tout moun ka pren précaution ak maladie glaucome en Haïti.
Deuxième partie émission tendance, c'est au fait brancher. M'invité nous aujourd'hui, c'est Jean-Aubert Hagan du collectif du 4 décembre avec Lina Brasse l'idée. Son thème assez intéressant, comment électorat bien choisi. Si là, qui pral nan parlement, qui va le présenter nan chambre basse, nan sénat. Si là, qui pral gagner pour mener bak pays pendant 5 ans à titre de président de la République. Jodi an, au regard de profil ça que nous essayons, moi vi mando est-ce que collectif là gen go moun déjà dans tête li nan pile tête k'ap paret yo. Bon, nous pas choisi yo moun. Moun nan pral paret de lui-même. Non, ben, est-ce que tu es pas quelque ballon de cette rien fait? Non. Nous définis des critères. Mm-hmm. Citoyens gen choisi nous-mêmes, nous pas parti politique. Nous pas gen au moun que nous choisi du tout. Par contre, nous avons des critères que nous suggérons que nous avons la caillou. Donc tout le monde a la liberté de choisir contre lui. Un conseil là, si c'est pour choisir le monde, plein de monde, pas un conseil là, seulement un collectif là, que toute qualité, toute tendance politique. Donc, pas au monde, chaque monde est indépendant, mais cependant, l'ordre des critères qui est établi. Maintenant, c'est logique qu'on peut voir qu'au fur et à mesure, il y a un tel qui répond à critères de choix, ça y est, pour que ce soit un choix judicieux. Quand il y a un monde, deux mondes, quand il y a trois mondes, quand il y a cinq mondes, qui a à peu près le même critère. Donc maintenant, on va aller profondément dans l'analyse pour voir qui est-ce qui pas bluffeur et qui est-ce qui a vraiment un programme qui sonnant et qui peut vraiment suivre. Ce n'est pas vendre la lune pour fromage. Non, bon, on a quand on a un laboratoire ici qui définit est-ce qu'on est crédible, c'est honnête, c'est sérieux. C'est son passé l'indique. Parce qu'il faut qu'on passe maintenant. Il faut que ce n'est pas un bagage qui soit de on tire, paf, il peut tomber sur vous. Non, il faut qu'on passe. Parce que passe au monde, suivre lui. Et c'est important que nous connaissions côté maintenant sorti et côté l'évoluer et qui j'ai évolué. Parce que pour que ce n'est pas un monde qui vienne assauter le pouvoir. À ce moment-là, il vient jouer le pouvoir. Non, mais on connaît les gens qui ont connu côté au sorti passé. C'est les gens qui, même j'ai avoir, prennent des prises de position sur tout sujet d'intérêt commun. C'est des gens qui ont milité dans nos partis politiques. Et M. Hagan, on est d'accord avec moi. Les gens qui montent sous pouvoir au 25 dernières années, ils n'ont pas figuré ça. Ils ont campé à des gens que la population connaît. C'est des gens qui ont cherché. Soit dans la coula kayo, soit dans l'église, ou bien tout, soit c'est des nègres qui étaient amis ou nègres, et puis ils prêtent le bannière parce que ils sont sûrs que la gagne avec nous. Oui, parce que nous n'avons jamais su définir ce que nous voulions nous autres. Après, nous étions que coup des gens qui ont utilisé pour faire un bagage. C'est pour ça que ça nous dit qu'il faut que nous choisissions et que nous sommes capables de défendre notre vote. Maintenant, il faut qu'on choisisse, c'est pour ça que ça nous met des critères que personne, quel que soit, que local, que l'étranger vienne dire bon, c'est ça, je ne vais pas croire que le corps s'ajoute. Non, il faut qu'on ait ça, et puis nous porter bourré derrière ça, qui remplit des critères que nous connaissons et que nous capons jauger. Qui ça, collectif, là, bah, tête li comme défi pour permettre que tout le monde, toute population, en deux pays, connaît profil ça. Bon, de toute façon, nous commençons par distribuer ça à l'ouvrir de la presse en général, à l'ouvrir sur les réseaux sociaux. Et c'est ça, l'autre jour, je vais avoir un téléphone. Non, d'accord, il y a des gens qui ont passé par Facebook. Oui, mais il y a radio. Oui, mais il y a des gens qui sont allés à l'hôtel. Non, nous ne pouvons pas mener une campagne. Ça. Par contre, les gens que nous avons, puisque nous avons plusieurs représentants dans différentes zones de pays, ils ont même passé ce message-là. Maintenant, couvrir systématiquement, au côté des gens, chouchou marron jourilé, c'est pas évident, mais là, mais tout le monde ça, il entend des radios, il n'a pas de signal, mais signal qui est correspondant. Mais c'est côté ça, c'est la presse, c'est le plus grand pouvoir que nous ayons. C'est le plus grand pouvoir, et ça, c'est la vocation d'éducation. Parce que plus on connaît, plus on éduque, plus c'est bon pour lui et plus c'est bon pour nous. Donc, message là, c'est nous tous qui vous passez, c'est nous tous qui vous véhiculez un message là. Et c'est ça nous t'aime bien, justement, et support presse là, et le secteur de diffusion de messages là que nous devons faire. Parce que c'est le choix d'aujourd'hui qui garantit demain. Et puis, pour que nous ne pas prendre un coup, pas comprendre non plus trop souvent, nous pas qu'à voter, ou bien non, nous essayons de voter comme dit tout à l'heure là. Nous votons mal.
nous votons mal ou votre que nous prenons, ce n'est pas lui qui est au non, mais même moi, je des collectifs là. Mm-hmm. Est-ce que ça a arrivé, les campagnes électorales ont commencé à chauffer, les, capable de dire, bouillons, élections ont commencé à le dresser, nous-mêmes, nous supportons nous. Non, nous pas capable, nous pas prendre des youmoun, nous prendre des non. Mal que nous supportons le monde. Chaque monde a supporté le monde que le voulait. Okay. Mais il est possible que si tout le monde choisit le même critère que nous définissons, nous verrons que nous tous nous irons vers la même personne. Mm-hmm. Mais nous pas de but en blanc dit c'est un tel. Non, nous établissons les critères, nous gardons si la donne. Si nous tous nous que la donne, nous tous prenons d'elle. Mm-hmm. Ouais, et c'est ça. Et moi, je vais vous dire que nous avons fait un bon. Au primaire. C'est que oui, nous dit bon, mes critères pour nous gagner. C'est parce que nous sommes très, très, très concernés par rapport à ce que nous vivons déjà et par rapport à ce que nous espérons pour payer nous. Pour que payer nous ne pas dépendre encore de l'autre monde encore. Que nous commençons à prendre dignité. Nous. Et nous solliciter à CEPA. Accréditation. Mm-hmm. Pour que le collectif là gagne observateur là, sur tout territoire là, le processus électoral là. Pourquoi ça démarche ça? Parce que il ne s'agit pas simplement de dire, de parler, mais il faut qu'il y ait un moyen de contrôle. Mm-hmm. Il faut qu'il y ait un côté qui dit attention, que tel bagage va faire pour ne pas voler l'élection, mm-hmm. pour ne pas barrer ou ne pas voter pour l'IA. Pour qu'il y ait éventuellement dit, mais tel bagage, pour être les yeux du citoyen, parce que le citoyen ne peut pas être partout, mais nous-mêmes, nous n'avons pas laissé, ouais, c'est nous qui avons un observateur là, sur tout territoire là, mm-hmm. pour que nous suivions le processus électoral là. Nous avons déjà une accréditation, mm-hmm. mais nous sollicitons. Bon, nous avons toujours là, et bien, nous avons regardé les cafés en bas chez nous, bon, peut-être qu'il y a des experts magouilleurs qui ont fait des bagages, qui ont fait des mais et, tout le monde est veillatif. Parce que nous brûlons plus d'une fois. Donc nous pensons que nous sommes capables d'essayer ouais, plus facilement ce qu'a fait, qui couffourait derrière quelque chose ce qu'a fait là. Mais il faut simplement nous caler les genoux pour nous. Mm-hmm. Collectif là, tu marché sous pour question de ces domaines. Nous portons support nous tout à un marche qui fait mercredi pour contre l'impunité, le mm-hmm. système là. Nous-mêmes dans le collectif là, est-ce que pas gagner l'autre sujet encore qui est nous à cœur? Production nationale là. C'est lui, nous voulons mettre tout en phase, lui. Maintenant, pour que nous soyons capables vraiment de vivre, pas qu'à dire totalement indépendant, mais que nous capables et pas dépendre de monde. Ça, c'est une. Ensuite, au niveau de nos institutions, il y a tellement de choses à changer, il y a tellement de choses à faire. Au niveau de nos lois, il y a tellement de choses à faire. Au niveau de la communication, par exemple, où vivre, ça l'a subi. Au niveau des services, des compagnies de téléphone. Quand on dit, est-ce que c'est normal que qu'on a ou son pays, quand on n'a pas un téléphone là, quand on paye, même si on a un téléphone, c'est un travail obligé de servir avec mon cellulaire qui est très dispendieux. Ce sont des choses que nous allons adresser à eux de façon que vous facilitez les citoyens. Hein, parce qu'il n'y a pas aucune raison que eux ne mettent pas au service de public là, des téléphones de maison, que nous avons dans le temps, à un tarif bien normal, on pas obligé d'utiliser un cellulaire qui vient très cher. Donc, bon bande de. Et puis alors, bande de bagages qui fait pour changer. Et comme dit Tamara, nous c'est une plateforme de parole citoyenne. Nous sommes au côté que nous pensons que nous avons recours pour comment changer les choses. Nous plein de problèmes. Nous problèmes, c'est en voiture, voilà une guerre, mais c'est une après l'autre. Parce que ou pas qu'après tout à la fois, qui trop embrasse mal et train. Mm-hmm. Vous comprenez? Donc nous ne pouvons pas contenir simplement dans une bagarre, mais il y a des points qui sont vitaux, des points qui sont importants, que nous allons mettre beaucoup plus de force ou de phase. Mm-hmm. Intéressant, mais question production nationale là, et par exemple, les collectifs 4 décembre de café. Des ennemis, parce qu'il y a des gens qui... Oui, bon, on a... Nationale, là. C'est vrai, c'est certain. Et c'est très certain parce que Kounia et Kakoun nous toujours... Dans le way, nous disent d'ailleurs. Nous sommes malheureusement partis d'individus, d'entrepreneurs, enfin, de jeunes d'entreprises, d'entrepreneurs, d'entrepreneuriat pour devenir de vulgaires
commerçant ou boutiquier acheter ou vendre. Ou pas développer un pays, simplement acheter ou vendre. Donc l'entreprise locale est ce qu'il faut faire. Maintenant, ça demande beaucoup de travail. Oui, maintenant, je suis capable de résoudre le problème ça, facilement. Je prends un bon exemple, et, puisque nous parlons de la République dominicaine. Nous importons tout le bagage de la République dominicaine. Mm-hmm. N'a perdu l'État, a perdu un mascob sous le poste frontalier. Mais pourquoi pas ne pas considérer éventuellement, on dit tout produit commercial ou salia, ou fait tout le bagage sur passé par les ports, par voie maritime, mm-hmm. ou bloquer toute une série de bagages, et puis à ce moment-là, on a plus de contrôle. L'État fait plus comme. Mais comment cette affaire là-dedans? L'a organisé pour le commander de l'autre côté. Mais on a servi tout le monde. Merci un peu, M. Agan, parce que tu as répondu à l'invitation. Nous avons tout bon travail et espérer parler une autre fois. Merci beaucoup, Tamara. Merci de ce qu'on a accordé nous tout le temps, ça qu'on a accordé nous. Allez, bonne semaine à tout le monde. Merci en pile pour fidélité et attention nous. Invitez-nous aujourd'hui, c'était Jean-Robert Agan du collectif 4 décembre avec les Nous Te Brasser l'idée ensemble. Rendez-vous demain soir avec même plaisir. Bye.